sorciers, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors, premièrement, je tiens à m'excuser auprès de cette dame parce qu'elle ne voulait pas que sa photo apparaisse sur la vidéo, mais je vous assure, j'ai passé presque 10 minutes dessus. Je ne suis pas une surdouée de l'informatique, donc je n'ai pas pu régler cela. Donc, vraiment, je m'en excuse. Je tiens à noter que ce témoignage a été laissé sous la vidéo dans laquelle je parle de l'eau de riz à verser sur la cour. Donc, elle dit « Bonjour, très cher. L'eau de riz, ça a marché à 100%. J'avais des gros problèmes et je peux vous dire que je suis tranquille chez moi. Merci, que Dieu vous protège. Je vous remercie, madame, pour ce retour très positif. Et d'ailleurs, c'est la première fois que j'ai un retour sur cette vidéo-là, sur cette astuce-là. Qu'est-ce que vous attendez ? Donc, si toi aussi, tu vis des misères dans ta maison, tu as conçu une maison dans laquelle tu n'es pas en paix, les enfants sont tout le temps malades, tu vas même à l'hôpital, le médecin ne trouve pas une solution, tu ne comprends pas ce que c'est. C'est des maladies mystiques, c'est des crises, c'est des tensions. Et puis, du jour au lendemain, tu es viré de ton travail. Sache que tu fais sujet de sorcellerie. D'accord? Tu es en location. Hein? C'est comme si le bailleur a planté quelque chose, a mis quelque chose lors de la fondation. C'est des bruits dans le WC, le plafond. C'est comme si le plafond va s'arracher. Tu es tout le temps malade. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu as l'impression d'être dans un labyrinthe. Alors, cette vidéo, elle est pour toi. Tu vas t'arrêter. Tu vas liker. Tu vas commenter. Tu vas me dire si tu as déjà vécu une telle expérience. Et surtout, tu vas mettre en favori et tu vas partager. Surtout, le plus important, c'est de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Tu vas chercher une petite quantité de riz que tu vas laver. Lave ton riz. Prends tout simplement l'eau là et verse-moi ça dans la cour. Si tu as deux portes, une derrière et une devant, verse l'eau dans la cour. Le riz là, tu peux le préparer et manger. C'est simple. C'est simple comme bonjour, mais la puissance de cette astuce là, tous les sorciers vont être délogés. Tous les sorciers vont fuir, ils vont tous déserter. Tu auras la paix dans cette maison. C'est testé et approuvé. On ne boude pas l'équipe qui gagne. On est ensemble. La reine des sorcières.